Now I feel like this is my job, to rescue, to take them to the hospital when they need help. We lost many of our sisters to suicide and domestic violence. On commence dès l'âge de 3 mois, chaque enfant a son arbre. Donc, quand la nuit vient, quand notre travail est entre nos mains. La première question qu'il m'a posée, c'est: est-ce qu'il y a des immeubles comme ça au Cameroun? J'avais déjà vu les choses venir, je lui dis non. Parce qu'au Cameroun, nous dormons sur les arbres. On commence dès l'âge de 3 mois, chaque enfant a son arbre. Donc, quand la nuit vient, c'est à chacun son arbre. On n'a pas de maison au Cameroun. Ce que ma cousine m'a présenté, sachant que j'ai fait des études en finance, elle m'a dit, tu vas au Liban pour travailler dans une filiale. Elle m'a dit que je venais pour 3 mois et qu'on devait m'envoyer ailleurs. Pendant ces 4 ans, je faisais tout. Je passais de nounou à plombier, électricien, infirmière. Je suis même allée jusqu'à croque-mort. عشر سنين جمعت وقرد لشحنه راح ليد كان عماني مساري عندها كله راهو عيدا براد كان عيدا مايكروف عيدا بيب كان قالوا بالآن لازم حدا سكن فيه بيت هو يعمله البيت يعمره يرجع يزبط البيت عيدا تزبط فيه من كسراني باري لك كسرت أكثر من كسراني 10 سنين جمعت وقرد مصرية ترى تعذبت لزبط له البيت. It's my own story. The first time I came to Lebanon, that I left my children. This one, I left them when they're 6 months. So I have a very difficult time with him because he thinks that I abandoned him. But it's not easy. I still have a guilt feeling till now. And I came to Lebanon taking care of other children while my children back home, they grow up without a mothers. Both of them finished their university. From here, I can see all the struggles that I've been in Lebanon, that now it's, I can say that I fulfilled my dreams for my children. It's about somebody who is depressed somehow, you know, and finds a way to get away from that situation. And this is a card from my daughter when she was still a very young girl. Yeah, and that's a painting she drew for me for my birthday present. And that's me in the woods. Text message from her when she was leaving Beirut. That's me. That's me. This was flowers from her on Mother's Day. She sent it to me. So that's the story of me. My favorite. Yes. This is my dollar tree because I was dreaming about the tree in dollar with dollar. But when I came in Lebanon, there is no tree with dollar. I have to work more than 16 hours or 15 hours. So now I'm trying to find those tree, but there is no tree with dollar. That is my dream and this is my history. J'écris pour ne pas m'oublier, pour que sur cette terre, mon passage soit gravé comme une insulte raciste, comme une bastonnade d'un chauffeur de taxi, comme une main qui se pose sur ta bouche t'empêchant de respirer alors qu'il est en train de t'abuser. L'idéal du Liban sans kafala, ce serait des femmes africaines qui ne seront plus appelées des travailleuses domestiques, qui n'auront plus une étiquette, qui pourront être en joie. Elle pourrait venir ici faire des affaires parce que les Libanais vont en Afrique faire des affaires. Le Liban sera une très belle terre d'accueil parce qu'il fera vraiment bon vivre. On pourra aussi, nous, aller se détendre, aller découvrir les beaux paysages,
On pourrait voyager, sortir du Liban, revenir. فكتير البنات عايشين ورا الباب لا بيقدروا يطلعوا يحكوا ولا يطلع صوتهم. بحس حالي انا المسؤوله، بس صحيح انا ماني مسؤوله، بس بحس ليش؟ لانه انا فيني روح وجي بقدر بساعدهم. طلعت بنت بوجي هيك اتصلوا فيي انه بدها مساعده. قلت لهم اوكي، راحت شفتها البنت كانت مريضه. المهم اخذتها المستشفى انه حكيتها انا بقدر اساعدك وانا خلص حدك. اخذتها المستشفى بعد 4 أيام توفت. هون حسيت حالي انا سوري، انا كل ما بجيب حي البنت سيرتها ما بقدر. الموت صار عندي يعني كانوا هيك عايش معي. كثير البنات كانوا بشوفهم قدامي بيروحوا. من ورا هيدا صرت واقفه قدام النظام كفيلي. Ils sont venus la chercher à l'aéroport et je ramenais à la maison. Elle leur demandait d'aller se doucher, comme si elle était peut-être quelque chose d'autre, qui n'est pas humain. Elle a fini de se doucher, on lui a donné des habits qu'il doit changer. On lui a demandé de prendre ses propres vêtements à mettre à la poubelle. Et directement, on l'a ramené au salon de coiffure pour couper ses cheveux, parce que peut-être les cheveux, ce n'est pas normal qu'il le garde. Donc, elle a souffert. Dans cette maison, on l'a fait dormir dans une toilette qui fait moins de 2 mètres carrés. Il n'y a pas de fenêtre. Pendant l'hiver, tu te prends le douche à 23h30, tu te douches dans cette salle de bain et tu finis de dormir dans cette salle de bain avec une petite feuille de matelas par terre pendant 2 ans et demi.